Et bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau Tech Live du 9 janvier 2016. J'espère que vous allez bien. Vous savez qu'on ne vous entend pas sur Skype, hein. Mais si, on vous entend pas. Oui, voilà. Alors, on essaie de me perturber actuellement sur Skype, mais avec un chien. Donc, ce soir, en attendant qu'il se calme là, on va partir, comme j'ai fait un sondage sur Twitter pour voir un peu ce qu'on voulait faire. Eh ben, on va partir sur du conseil config à l'ancienne. Enfin, pas à l'ancienne, mais comme on l'avait fait pour quand il y avait le concours ADS et tout ça. Alors, donc, du coup, pour m'aider ce soir, Ah, nous bonsoir. avons. Oula, bonsoir. Bonsoir, nous avons Hiro. Coucou. Ah, il Bonsoir, va pas Hiro. nous aider. Oui, enfin, il va essayer de nous aider, ou alors il va mettre des Oh, liens sur j'ai Twitter. entendu essayer. MDR. Et nous avons aussi Pierre. Bonsoir, Pierre. Bonsoir. Bonsoir. Et Joris. Bonsoir, Joris. Ayo. Qui va nous assister durant ce stream comme d'habitude, parce que on essaye de faire des streams à 4 ces derniers temps. C'est vrai qu'à la base on était parti sur des streams à 3, mais on s'en fout, on fait comme on peut. Et plus on est faux, plus on rit. Voilà, bah, sauf que Voilà. oui, mais plus on est de fou, plus on parle, plus on comprend rien. Donc bon, On s'en après, les deux se valent. Du coup, il y avait Damien qui te demandait à toi, Pierre, et puis on pourra rebondir dessus, ton avis sur les nouveaux boîtiers Corsair. Du coup, ceux qu'ils ont présentés au CIS, Ah les. ouais. Je me souviens plus des références. Alors, ils nous ont présenté deux boîtiers. Le spec alpha, qui a un design un peu triangulaire, what the fuck. Et ils nous ont présenté le carbide 400, 400 quoi, 400Q, 400Q et 400C. Oui, c'est ça, le Q Voilà. pour quiet et le C pour Pour clear, je crois, oui, peut-être, clear, pour la voilà, c'est ça, fenêtre. clear, parce qu'il y a la fenêtre, tout à fait. Et du coup, qu'est-ce que j'en pense? Le spec alpha, je suis pas fan du design. Moi, pourtant, j'aime bien. Voilà. Ah voilà, après je l'ai posté sur ma page et j'ai eu des commentaires qui m'ont dit oh il est trop beau, et d'autres commentaires qui m'ont dit Voilà, oh c'est après, dégueulasse, j'ai c'est envie une de question de finir sur goût. ce Non, pieu. mais tu vois, c'est une question de goût. Voilà, Subjective design. Question de Ouais. goût. En revanche, le 400C et 400Q, je trouve qu'ils sont pas mal parce qu'ils sont, bon, déjà ils sont bien sobres, ils ont une très grande fenêtre sur vraiment tout le côté, genre on voit vraiment tout. Et ils ont un cache à lime et tout qui est vraiment sympa, où on peut foutre un peu des câbles sur le dessous, etc. Du coup, moi je suis assez fan du 400C, parce que moi j'aime bien quand il y a une fenêtre quand même. Et sinon, bah, le 400Q, c'est bien si vous n'avez pas forcément une jolie config et que vous voulez vraiment du silence. Et le Alpha, personnellement, je suis pas fan, mais il y a des Ouais, gens à qui après ça. c'est une question de goût. Là, le Voilà, 400C c'est une question de goût. pour ceux d'ailleurs, ça complète leur 600C en fait. Enfin, ils avaient déjà sorti des boîtiers sur ce thème-là. Enfin, ils avaient déjà annoncé des boîtiers sur ce thème-là et là, ils viennent compléter la gamme avec différentes dimensions. Mais moi, j'aime bien aussi les 400, 600, enfin leur nouvelle gamme. C'est la sobriété. Et en fait, là, on a vraiment les deux. On a d'un côté la gamme spec, avec les specs, enfin même les specs 01, spec 02, voilà, toute leur gamme spec. Moi, je l'aime bien parce qu'elle offre un look un peu plus agressif. Et il y a des gens qui cherchent ça. Et c'est bien qu'ils le proposent parce que ces derniers temps, on n'avait pas trop, tu vois. Même Cooler Master, ils sont plus partis sur la sobriété. Il y a beaucoup de sobriété en fait, en ce Moi moment. j'aime bien. Et bah, moi, j'aime bien aussi. Stylé. La preuve, j'ai carrément craqué sur Mastercase, hein, parce que ouais, voilà. Bah. Mais Mais normal, c'est bien normal. qu'on ait aussi la Franchement, il est bien. possibilité, c'est bien qu'on ait aussi la possibilité d'avoir quelque chose de plus, voilà, de plus Oui, agressif, quoi. tout à fait, tout à fait. Mais voilà, perso, c'est pas mon délire, mais voilà, c'est bien que ça existe, c'est clair. Alors Benjamin demandait, il demandait aussi à toi Pierre aussi du coup un avis à propos de l'arrivée de VGA dans les boîtiers. Perso, j'adore. Alors effectivement, Ouais, j'avais lu j'ai des vu des trucs. photos, ça a l'air sympa. Après, voilà, à voir. Le J'ai vu qu'il prix. se lançait aussi dans l'IO, L'IO, tout à fait. Tout à fait, effectivement. On a et la photo. dans le laptop aussi. J'ai vu qu'ils avaient pour projet de faire un laptop. Après, faut voir par qui ils font sous-traiter. Ouais, voilà, il faut voir enfin comment ça va se passer, quoi, parce Ouais. que c'est bizarre qu'ils se lancent là-dedans, mais pourquoi pas? VGA, c'est une Bah ouais. marque On est que. que Bah. moi j'aime bien, Moi qui est aussi, de donc. bonne qualité, etc., dans ce qu'ils font, donc pourquoi pas? Franchement, Ouais, pourquoi il pas? faudra voir. Utile la norme IP67 sur les nocturnes industrielles selon toi? C'est plus la résistance à la poussière qui est intéressante. Ouais, Ça évite. c'est ce que je disais en réponse Ah. pour les gros serveurs qui peuvent avoir masse poussière ou des trucs comme ça peut être stylé d'avoir Oui, enfin, l'IP67. tu sais que t'as des PC fixes qui sont blindés de poussière. Hein. Et ouais, pourquoi pas, mais est-ce que Et du oui, coup je c'est peux possible? regarder Nectip Est-ce sans que me protéger les yeux au calme, Tom. c'est possible? Tom qui se pose des questions existentielles à ce que je vois. Regardez.
fais tes courses le vendredi soir? Non. Alors, on s'est compris. Il y a chez l'hostalmo. Ouais, ça c'est fait. Pierre, si tu veux savoir, j'y vais une fois par an. Mais maintenant, c'est tous les deux ans. J'entends de plus, il a dit non, c'est plus la peine, viens plus. C'est plus la peine. J'y vais presque plus souvent que toi. Bah oui. Normal, toi, t'as des choses à faire. Lui, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Bon, bah, même conclusion qu'il y a deux ans, tu vois pas. Allez, salut, à dans deux ans. Mais non. Donc, du coup, on se donne rendez-vous samedi prochain. Merci de nous avoir suivis. Tout à fait. Durant ces 3 heures de longue agonie. Non, vous êtes gentil. Ouais, vous êtes gentil. Oh, oui, c'est vrai, mignon quand même. Ouais. ce fut riche en questions. Un live riche en questions. La semaine prochaine, on essaiera à nouveau de jouer. Gardez vos questions de côté. Si vous avez d'autres questions, vous avez le Twitter avec où on essaye d'être actif. Vous avez tous les liens dans la description vers les différents réseaux sociaux, que ce soit les miens ou les chaînes YouTube ou Twitter des différents acolytes qui sont en ma présence. C'est-à-dire Pierre, Ironie et Joris. Allez. Tout est dans la description. Voilà. Ça non, sert à rien de s'abonner chez Ironie. Ta gueule. Et non, mais j'ai remis sa chaîne YouTube. Hein. Ah, yes, t'as remis au final. J'ai remis la chaîne YouTube parce qu'il y a une vidéo qui est sortie il y a 3 semaines. C'est le principe d'une chaîne YouTube, c'est d'avoir des vidéos. Oui, Hiro, ça fait déjà 3 semaines. Et en plus, on se quitte sur le générique de Death Note. Du coup, je suis content. Du coup, je vous laisse quand même le générique. Il reste une minute. Ouais, bah, je vous laisse le générique sans notre. Ah non, je peux pas laisser le générique sans notre pote, merde. C'est con. Donc je fais un rappel de ce qu'il y a. Générique avec des Zenbook derrière. Non, le générique est beau, faut pas le gâcher. Aïe, Zenbook. Aïe, Zenbook. Oui, voilà. Sur ce, nous vous souhaitons une excellente soirée. Riche en émotions, je l'espère pour vous. Passez une bonne semaine. Et on se retrouve très bientôt. Salut, ciao, bonne nuit. Salut à tous. Salut. Oui, au revoir. C'est une manière de dire au revoir, effectivement. Allez, ciao. Salut. Au revoir.